are born to be blessed. Même là où les gens veulent nous maudire, se surprennent en train de nous bénir. Even where people curse us, they surprise themselves blessing us. Tu ne peux pas transporter une prophétie de Dieu. You cannot carry a prophecy of God. Comme celle que Dieu a dite dans le jardin d'Éden. Likewise, what God said in the Garden of Eden. Pour que quelqu'un puisse te maudire. For someone to curse you. Il y a des gens qu'on peut maudire. There are people who can be cursed. Mais nous, au moment où ils veulent nous maudire, ils se surprennent en train de nous bénir. J'annonce au nom de Jésus. Tous tes ennemis deviendront tes admirateurs pour te bénir. Peut-être que tu n'as pas encore bien compris. J'ai dit tous tes ennemis seront surpris de constater que les paroles de malédiction qui sortent de leur bouche se transforment en des paroles de bénédiction. Ton environnement est obligé d'amener les gens à parler pour toi. Nous sommes ici à la montagne de Sion. Le lieu de l'accélération. The place of acceleration. Si les choses tardent à s'accomplir, quand tu poses ton pied ici, when you step here, il y a comme une rapidité dans l'accomplissement des choses dans ta vie. Je vais dire à une personne, un démon a voulu t'empêcher de venir ce soir. Mais un ange de Dieu est venu se tenir devant toi, a pris ta main. Parce qu'il y a une prophétie de Dieu ce soir pour toi. Ici, ce n'est pas les plus battantes. Il y a une différence entre la rosée et les plus battantes. Une plus battante appauvrit le sol sur lequel la pluie tombe. On which the rain falls. Mais la rosée de l'Hermon, la rosée de l'Hermon, elle fertilise le sol de ta vie. J'annonce qu'une rosée est sur le point de descendre sur ta vie ce soir. J'annonce qu'une rosée est en train de venir sur ta vie ce soir. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Nous ici, on ne peut pas échouer. We cannot fail. Même si l'échec even if failure veut nous faire échouer, wants to make us fail. Nous, on fait échouer l'échec même. C'est l'échec même. On maudit la malédiction. Ici, c'est le seul lieu où on maudit la malédiction. Nous, on maudit la malédiction ici. C'est pourquoi même si tu es maudit, il ne faut même pas parler. Mets ton pied ici seulement. La malédiction va rester à la porte. C'est la montagne de Sion. Là où les anges sont prêts à exercer un ministère à ta faveur. Je vais dire à une personne, tu partiras d'ici avec un témoignage ce soir. J'ai dit ton témoignage est préparé depuis les cieux pour toi. Le lieu où tu cherchais pour prier là, tu as trouvé où? Ici, quand on écrit sur ta vie, on interdit que les gens mettent un point. On ne peut pas écrire une phrase sur ta vie et puis on va mettre un point. Dieu seul est capable de mettre un point à la phrase de ta vie. Ils peuvent écrire, mais ils vont mettre une virgule. Et tu vas rectifier la phrase. Et puis toi-même, par l'Esprit de Dieu, tu mettras un point. Je vais dire à une personne, j'annule toutes les mauvaises paroles qu'ils ont prononcées sur ta vie au nom de Jésus. C'est notre saison. Où nos détracteurs sont le baromètre de notre élévation. Ils nous aident à savoir notre positionnement. Si tu veux savoir à quel niveau Dieu t'a positionné, ne consulte pas ceux qui t'aiment. Prête l'oreille attentive et écoute la parole de tes détracteurs.
tu sauras le niveau de ton élévation. J'annonce à une personne. Si on n'a pas encore parlé contre toi, il faut te dire il y a un problème. Je te demande à ce qu'on commence à parler contre toi pour que tu te rendes compte que tu es élevé. Sionise. Je vois ici des personnes qui vont diriger des chaînes d'entreprise. Pas seulement une boutique. Nous, les boutiques ne nous intéressent pas. Ce sont les consortiums. Les... Aïe, 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 aïe. Viens, viens que je touche ta tête. Oh! Oh! Ah! Oh! Non, ce sont des hommes de l'esprit. Ils savent à quel moment... Il y a eu un déclenchement d'une onction de prospérité. Ils ont saisi en même temps. Alléluia! Nous sommes dans le mois du rafraîchissement. We are in the month of refreshment. Le mois de l'onction. The month of the anointing. J'aime l'onction. I love the anointing. J'aime l'onction. I love the anointing. L'onction, quand elle est sur ta vie, when the anointing is upon your life, c'est la fin de toute lutte it is the end et de of all toute frustration. And all frustration. Là où on ne te considérait pas, where you were not considered, là où les gens n'avaient même pas pensé qu'on pouvait miser sur toi. Even think that they could count on you. Quand l'onction arrive, when the anointing comes, il a tous les préjugés sur ta vie. It consoles all people. Même tes ennemis. Even your enemies. Participe à ton élection. Participate to your election. Quand on cherche une personne. When they seek for a person. Même tes ennemis. Even your enemies. Vont concourir à être ces personnes qui iront te chercher. Will contribute being people who went seek for you. Laisse l'onction venir sur ta vie. Allow anointing to come in your et tu mangeras les meilleures productions and you du shall pays. Eat the best production of the country. Quand l'onction est quelque part, when the anointing is somewhere, de l'anonymat, from anonymous, tu passes à la célébration. You become in je dis à une personne, I am saying dans ta famille, on a passé tout le temps à te critiquer. In your family, mais à partir de ce mois, but from this les month, gens vont te célébrer même dans votre propre maison au nom de Jésus. C'est le mois de notre célébration. It is a month of our celebration. On doit te célébrer. You have to be celebrated. Parce que l'onction amène une célébration. Because anointing brings a celebration. Qui avait pensé que David, who thought that David pouvait te célébrer de la sorte? Could have been celebrated that way. Quand le sacrificateur Samuel est arrivé, when the priest Samuel came, on va le lire. We Tonton, will read it. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. Verset 9. Verse 9 au verset 13. To 13. Vous voyez, pendant que je serai en train de prêcher, as I will be preaching, il y a des personnes sur la vie de qui there are people on the life of whom l'onction va descendre. Anointing will fall. Je vous ai donné ce qu'on appelle les propriétés dans la manifestation de l'onction. I've gave to you the features in manifestation. Donc, of the anointing. Assois-toi bien. So, sit well. L'onction va venir sur toi pendant que je serai en train de prêcher. Anointing will fall on you while I will be preaching. Il y a des gens que Dieu ce soir veut qualifier. There are people tonight that God wants to qualify. Veut réveiller le potentiel God wants to qui est caché dans leur vie. That is hidden in their life. L'onction viendra. Donc the assois-toi bien. Come, so sit well. Ce serait comme un feu. It will be like a fire. Comme une fraîcheur. It will be like a comme freshness. Un souffle violent. Like a violent breath. Tu vas commencer à prier en langue. You will start praying in tongues. Tu vas prophétiser. You will prophesy. Alors même que tu n'as jamais été prophète. While you've never been a prophet. Mais ce soir, but this evening, s'élèvera une race de prophètes ce a soir. Race of prophets will be raised. Les up. Yeux vont s'ouvrir, les your oreilles vont will s'ouvrir, open, tu vas entendre des choses. And you will hear things. C'est comme si tu siégeais au conseil des cieux. As if you were at the council of heaven.
Écoutez bien 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel 16. Verset 9 à 13. Verse 9 to 13. Nous le lisons au nom de Jésus. Isaïe fit passer Shammah. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sens là tous tes fils. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu d'ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond. Il était blond. Avec de beaux yeux. Avec de beaux yeux. Et une belle figure. Avec une belle figure. J'ai l'impression que Dieu ne prend pas ce qui est vilain. Bon, je continue. On continue. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi. Oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous introduire dans la réalité de l'onction. Beloved, I would like to introduce you in reality of anointing. Je veux que tu comprennes le mystère de l'onction. I want you to understand the mystery of anointing. Pour ceux qui étaient là le dimanche dernier, for those who were present last Sunday, je vous ai dit, I've told you, que l'onction dans l'Ancien Testament, that the anointing in the Old Testament, pour la plupart du temps, était caché dans l'huile d'onction. For most of the time was hidden in the oil of anointing. Je vous ai dit que c'est une huile dont la préparation a été révélée à une personne qui s'appelle Moïse. I've told you it is an oil which preparation has been revealed to Moses. Lorsque on versait cette huile sur une personne, when that oil was poured out on a person, l'Esprit de Dieu, the Spirit of God, se saisissait de cette personne. Got that person. Et la présence de l'Esprit de Dieu sur cette personne, and the presence of the Spirit of God upon that person, quadruplait ses capacités et ses potentialités. Was multiplying his ability and potentiality. Rendait ainsi cette personne surnaturelle. Making that person supernatural. Je vous ai aussi dit, I have also told you, que la manifestation de l'onction sur la vie d'une personne, that the manifestation of anointing on the life of a exprimait person, trois réalités. Was expressing three realities. La première réalité, the first reality, c'est que quand l'onction vient, is that when the anointing comes, sur la vie d'une personne, on the life of a person, cela signifie que Dieu a choisi cette personne. It means that God has chosen that person. L'onction exprimait le choix sous de Dieu, anointing was expressing the sovereign choice of God, d'une personne en vue de l'accomplissement d'une tâche. Of a person for the fulfillment of a task. Vous et moi, you and I, depuis le jour où nous avons accepté Jésus, since the day we have accepted Jesus, nous sommes allés au baptême. We went to the baptism. On nous a baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. We have been baptized in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Et nous avons reçu de la part de Dieu, and we have received on behalf of God, le premier don fait aux croyants, the first gift made to the believers, qui est le Saint-Esprit. Which is the Holy Spirit. Et l'apôtre Paul écrit, and Apostle Paul writes, dans Ephésiens chapitre 1, verset 13, in Ephesians 1, verse 13, que le Saint-Esprit, that the Holy Spirit, est le gage de notre rédemption. Is the gauge of our redemption. Autrement dit, in other words, le Saint-Esprit, the Holy Spirit, dans la vie de chacun d'entre nous, in the life of each one of us, voulait dire means que Dieu nous a enfantés à une nouvelle vie. That
God has begotten us in a new life. Car c'est l'esprit qui produit le Zoé en nous. It is the spirit that produces Zoé in us. Et nous amène à la régénération. And lead us to regeneration. Et fait de nous des enfants de Dieu. And made us children of God. Cette présence de l'esprit de Dieu en chacun de nous. That presence of the spirit of God in each one of us. L'agir de l'esprit en chacun de nous. The action of the spirit in each one of us. Je dis bien en chacun de nous. I mean in each one of us. Se manifeste par ce qu'on appelle l'onction intérieure. Is manifested by the inner anointing. L'agir de l'esprit en nous. The action of the spirit in us. C'est l'onction intérieure. Is the inner anointing. Amène l'esprit. Leading the spirit. À marquer l'âme de l'homme. To mark the soul of man. Par les dons de sanctification. By the gifts of sanctification. Parce que par le baptême. Because through the baptism, le Saint-Esprit est chargé d'embellir l'âme de l'homme. The Holy Spirit is responsible to beautify the le soul of man. La préparer to prepare it, pour que au jour de notre entrée au ciel, so that at the day of our entrance in heaven, l'âme entre au ciel pure et sainte. The soul goes in heaven pure and ça, holy. C'est l'action de l'Esprit en chacun de nous. The action of the Holy Spirit in each one of us. Cette œuvre de l'Esprit, and that work of the Spirit, elle débute avec le baptême, begins with the baptism, et se poursuit au travers des sacrements. And is being continued through the sacraments. C'est pourquoi chaque fois que vous allez à la messe, that's why every time you go to the mass, et que vous communiez, and that you take the communion, dans le repas pascal, in the Passover food, il y a une œuvre de l'Esprit, there is a work of the Spirit, qui consiste à travailler sur notre personne intérieure. That consists at working in our inward person. Et ce fonctionnement de l'esprit, and that operation of the spirit, en chacun de nous, in each one of us, est l'œuvre de l'onction intérieure. Is the work of the inner anointing. C'est pourquoi la Bible dit, that's why the Bible on va le lire says, dans 1 Jean chapitre 2. In 1 John chapter 2. 1 Jean chapitre 2 verset 27. 1 John 2 verse 27. J'ai une bonne nouvelle. I have a good news. Pour ceux qui n'ont pas envoyé leur Bible. For those who haven't brought their Bible. J'ai qu'à donner la bonne nouvelle. Bon, c'est pas grave. 1 Jean chapitre 2, verset 27. 1 Jean chapitre 2, verset 27. Pour vous. Pour vous. L'onction que vous avez reçue. L'onction que vous avez reçue. De lui. De lui. Demeure en vous. Demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin. Vous n'avez pas besoin. Qu'on vous enseigne. On vous enseigne. Mais. Mais. Comme son onction vous enseigne toutes choses. Et qu'elle est véritable. Et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui. Selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Amen. Est-ce que je peux poursuivre? Quand vous recevez l'Esprit de Dieu, when you receive the Spirit of God, l'agir de l'Esprit en chacun de nous, the action of the Spirit in each one of us, cet agir de l'Esprit, that action of the Spirit, se charge d'opérer la délivrance en chacun de nous. Operate deliverance in each one of us. De telle sorte que in such a way that vous et moi you and I, nous arrivions à la statue parfaite du Christ. We reach the perfect status of Christ. Parce que ce qui est important, frères because et sœurs, what is important, brothers and sisters, c'est l'accomplissement de cette parole prophétique. It is the fulfillment of that prophetic word. Selon le livre de l'Apocalypse, il est écrit, according to Revelation, it is le poux et l'esprit disent, the bride and the spirit says, viens, come, Maranatha. Maranatha. Oh, but l'épouse ici, the bride here, c'est vrai. It is true. Selon l'interprétation ecclésiologique, according to the interpretation of the church, on parle de l'église. We talk of the church. Mais prophétiquement parlant, but prophetically, l'épouse de l'Esprit de Dieu, the bride of the Spirit of God, c'est l'âme de l'homme. It is the soul of le rôle de l'Esprit, the role of the Spirit, comme cela a été pour Éléazar au sujet de Rebecca, as it
it has been for Eliezer regarding Rebecca. Eliezer était chargé d'aller trouver une épouse pour Isaac. Eliezer was in charge to go and find a bride for Isaac. L'embellir, beautify her, la préparer, and preparing her, pour l'amener à son époux qui est Isaac. To lead her to a groom who is Isaac. L'époux de chacun d'entre nous, the groom of each one of us, c'est le Christ. It is Christ. C'est l'épousaille entre l'âme de l'homme et son Dieu. It is between the soul of man and his Mais God. Pour que cela soit, But for it to be, il faut qu'il y ait un travail qui se fasse. A work has to be done. Il faut sanctifier l'âme. We have to sanctify Il faut la purifier. We have to purify Il faut l'embellir. We have to beautify Et Saint Augustin dit, Saint Augustin ce says, travail n'est que l'œuvre de l'Esprit au moyen des dons sanctifiants. That work is from the Holy Spirit through the sanctifying Un tel don Such a gift n'a pas pour but does not aim de nous faire rendre témoignage at making being dans l'ordre de la mission messianique du Christ. In the order of the messianic mission of Christ. Mais plutôt, but rather, nous donne d'être témoins du Christ give us to be witness de of par Christ le fruit de l'Esprit que vous et moi nous portons. By the fruit of the Spirit that we, you and I bear. C'est à ce niveau-là que Dieu reconnaît ceux qui sont en lui. Écoutez-moi bien. Aucun d'entre nous ne peut plaire à Dieu s'il ne porte pas les fruits de l'Esprit. Or, pour porter les fruits de l'Esprit, il faut que le Saint-Esprit opère en chacun de nous une transformation de notre personne intérieure. Ce que nous manifestons à l'extérieur, c'est ce qu'on appelle les fruits. Nos œuvres sont des fruits produits par l'Esprit de Dieu au-dedans de nous. Produced by the Spirit of God inside us. Tout à l'heure, la sœur a prêché. Soon the sister preached. Elle a parlé des dons, elle a parlé des fruits de l'Esprit. She spoke of the fruit of the Spirit. Aucun d'entre nous ne peut porter un fruit de l'Esprit. None of us can bear a fruit of the Spirit. Si le Saint-Esprit n'a pas achevé l'œuvre de sanctification au niveau de l'âme. If the Spirit has not completed the work of sanctification at the level of the soul. Parce que Because c'est par le baptême que commence l'œuvre de la sanctification de l'âme. Through the baptism that the work of sanctification of the soul starts. Mais But pour que l'âme arrive à la perfection, For the soul to reach perfection, il faut que le Saint-Esprit de Dieu the Holy Spirit of God, poursuive l'œuvre de la sanctification has to further the work of the au moyen de la parole, through the word, au moyen des sacrements, through the sacrament, de telle sorte que in such a way that la pureté de l'âme the purity of the se soul traduise à l'extérieur par les fruits de l'Esprit. It's translated outly by the fruit C'est à of the ce moment précis, it is at that precise on peut moment, dire qu'une personne atteint la maturité en Dieu. Écoutez-moi bien. Tu peux connaître toutes les lois de l'Église. You can know all the laws of the church. Tu peux avoir même les doctorats en Église. You can even have PhDs in tu peux être un homme qui connaît tout ce qu'on enseigne même dans l'Église. You can know all the teachings that are taught Mais in the aux church. Yeux de Dieu, tu peux être un bébé spirituel. But at the sight of God, you can be a spiritual Parce qu'on n'a jamais dit. Because we have never On reconnaît this. Quelqu'un qui appartient à Dieu we recognize someone who belongs to par God. La somme des connaissances qu'il a. Qu'elle a. By the knowledge that Mais plutôt but rather, par les fruits de l'Esprit. By the fruit of the Or, les fruits de l'Esprit ne peuvent jamais venir dans la vie d'une personne can never come in the life si cette personne n'est pas en communion avec l'Esprit de Dieu. If that person is not in communion with the Spirit of God. Jésus donne la révélation. Jesus gives the revelation. Dans Jean chapitre 15, in John chapter 15 parlant du serment, speaking about il dit the le serment ne peut pas porter du fruit. The branch cannot S'il n'est pas en communion avec le tronc, if it is not connected to the tree, ce qui permet d'établir la communion, but what allows to establish communion entre nous et Dieu, between us and God, c'est l'Esprit de Dieu. It is the Spirit c'est pourquoi of God. La Bible dit That's why the Bible l'amour says, de notre. Comment dit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, the grace of our Lord l'amour Jesus, de Dieu le Père, the love of God, mais il ajoute la communion du Saint-Esprit. And the communion Or, la communion du Saint-Esprit veut dire que l'Esprit opère certain nombre de choses qui établissent notre relation avec Dieu. La première des choses,
c'est que l'Esprit va nous conduire dans une vie de prière. Frères et sœurs, je vais te dire la vérité. I will tell you the truth. Tu n'auras pas l'onction si tu ne pries pas. You will not have anointing if you don't pray. Je ne parle pas crier, puis les gens vont crier. It's not about shouting. Je parle quelqu'un qui prie. Someone who is praying. J'étais malade un jour quand j'ai lu dans la Bible. One day I read in the Bible. J'ai vu dans la Bible. I saw in the Bible. Jésus. Jesus. Il pria toute la nuit. He prayed all j'ai dit, the Mathias, night. I said, Mathias, tu es un paresseux. You are a lazy c'est man. Pourquoi tu ne peux pas avoir certains types d'onction. That's why you cannot have some kinds of anointings. Tu ne peux pas ronfler. You cannot snore. Dormir comme tout le monde. Like everybody. Et puis tu as venu dire, tu vas avoir l'onction. And you will come and say c'est pas possible. It is not possible. Jésus. Jesus, Luc chapitre 6. Luke chapter 6. Verset 12. Verse 12. La Bible dit. The Bible says, il pria toute la nuit Dieu son Père. He prayed the whole night God his Father. Quand tu pries une heure de temps, tu dis tu as prié. When you pray one hour, you say that you've prayed. Je veux que tu sois triste ce soir. I want you to be sad today. Pour montrer que vraiment tu n'as même pas commencé encore la vie spirituelle. To show that you haven't started yet spiritual life. Vous savez, quand vous lisez la Bible, you know when you read the Bible, que vous lisez tous les documents d'église, tout et tout, and that you read all documents of the church, tu ne gênes pas le diable. You don't bother the non. Demon. No. Tu ne gênes pas le diable. You don't bother the devil. C'est quand tu commences à prier. It's when you start praying. Le diable n'aime pas la prière. The devil does not like the prayer. Mais si tu lis la Bible, but if you read the Bible, tu vas sur Internet, you go on Internet, tu fais des recherches, you make research, il va même te trouver, il va t'aider à trouver les documents que tu cherches. He will help you finding the documents that you are seeking. Il va même souvent même te donner des révélations. He will sometimes give you revelation. Pour t'endormir dans la recherche d'études, travailler, tu étudies, bourrer ta tête, tout et tout. And filling up your head. Et puis quand tu es là, quand tu parles comme ça, tu es pédant. And when you speak, you are confident. Tu es orgueilleux et tu commences à étaler tes sommes de connaissances. You start spreading your knowledge. Mais ça, ça n'intéresse pas le diable. It doesn't interest the devil. Commence à prier. Start praying. Et tu vas voir. And you will see. Oh! But il met embargo sur la prière. He puts an embargo on je vais te donner un signe. Pour savoir que tu fais l'objet d'attaques spirituelles. To know that you are spiritually attacked. C'est lorsque tu n'arrives pas à prier. It's when you cannot pray. Tu as envie de prier. You feel like praying. L'envie te vient. Envy comes. Ça c'est ton esprit. It is your spirit. Mais on ne prie pas avec son esprit. But we don't pray with our spirit. On prie avec son âme. But we pray with our soul. C'est pas avec l'esprit on prie. It's not with the spirit that we c'est l'âme qui prie. It is the soul that prays. Tu as envie de prier. You feel like mais praying, tu ne peux pas prier. But you cannot pray. C'est pourquoi vous allez voir. That's why you will see. On dit la connaissance rend orgueilleuse. They say knowledge makes proud. Mais la prière rend humble. But prayer makes humble. Parce qu'être établi dans une communion avec le Dieu qui a la capacité de transformer ton cœur. Being established with communion with the ability of the God that has the power to change your heart. Remarquez que tous ceux qui prient. Notice that all those who pray sont surnaturellement impactés par la gloire de Dieu. Are supernaturally impacted by leur apparence extérieure, their external appearance est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Reflects what happened inside. Moïse, quand il est descendu de la présence de Dieu après 40 jours, when Moses fell down for God's presence after 40 il days, il n'est pas allé faire gommage. He did not make il n'a pas fait pédicure, manicure. He did not make il n'a pas hair. Enlevé les quémodons. He did not remove the pimples. Mais son visage avait l'apparence d'un ange. But his face was je veux dire à une personne, I want to say le prix de l'onction, the price of the anointing, c'est une vie sauvage de prière. It is a wild tu pries jusqu'à prayer. Ce que tu dises à ton âme. You je t'interdis de te reposer tant que tu n'es pas rassasié. I forbid you to rest unless you are satisfied. Sinon, otherwise, le monde est converti the world is converted par une âme abîmée dans la prière. By a soul that dwells in c'est prayer. Là que la puissance de Dieu that's where the power of peut God être relâchée. Can be released. Sinon,
Le monde est fatigué de mettre des gens qui parlent, qui parlent. Mais le monde se laisse interpeller par des témoins. Des gens qui disent ce qu'ils démontrent et qui démontrent ce qu'ils disent. C'est cela que le monde croit et le monde suit. Oh, la main n'est pas très fort. J'aime l'onction. I love the anointing. Oh, tu ne peux pas avoir l'onction. But you cannot have the anointing. Si tu n'as pas une intimité avec l'Esprit de Dieu. If you don't have a privacy with the Spirit of God. La prière établit la communion. Prayer establishes communion. Et le diable a blagué chacun d'entre nous. And the devil deceives each one of us. Les gens peuvent prier, adorer Facebook. People can worship Facebook. Comme le Saint-Sacrement. Like the Holy Sacrament. Ils regardent ça de 21h. They watch Facebook from 9 p.m. jusqu'à 2h du matin. Till 2 a.m. Tu prends le temps pour regarder le succès de ton ami. You take time to watch the success of your friend. L'histoire de ton ami. The story of your friend. Il faut que ta vie soit Facebook pour eux. Aïe, 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 aïe. Oh! Faut pas que leur vie soit Facebook pour toi. Their life shouldn't be Facebook for you. Donc, frères et sœurs. So, brothers and sisters. L'onction. The anointing. Exige une communion établie, bâtie sur la prière. Requires a communion that is established on prayer. Deuxième élément sur lequel la communion est établie. Second element on which communion is established. C'est une vie disciplinée, une vie de pureté. It's a life of discipline, a life of purity. Je vous dis quelque chose, ne soyez pas tristes. Do not be sad. Mais parce que je vous aime. Because I love you. Et vous savez, papa n'aime pas vous flatter. And you know, daddy does je ne peux pas vous blaguer. So I cannot deceive you. Le totem de la vie spirituelle totem of spiritual life qui fait que tu ne peux pas avoir l'onction. Making that you cannot have the anointing. Sauf l'onction que tu as reçue au baptême et puis ça t'accompagne là. Except the anointing that you receive in the baptism that is following. C'est le péché. It is sin. Dis à ton frère, c'est le péché. It is sin. Voilà la mauvaise nouvelle pour les pécheurs. This is a bad news. Ceux qui ne veulent pas changer. Those who quand tu dis ça à l'assemblée où tu prêches là, ça devient calme comme ça. Mais je ne peux pas te mentir. I cannot lie to you. Il faut mener une vie disciplinée. You have to have a life of discipline. Et il y a deux péchés. And there are two sins. Sur lesquels je voudrais vous exhorter à ne jamais émerger. On which I would like to exhort you not to minimize. De peur. At the risk. De se retrouver à être en inimitié avec Dieu. To being at war with God. Premièrement. Firstly. C'est tout péché qui est lié au sexe. Every sin that is tied to the sex. Tout péché lié au sexe éloigne la présence automatiquement de Dieu sur la vie d'une personne. Every sin that is tied to sex sets God's presence far away from the life of a Assois person. Assois-toi bien. Sit well. Je vais te parler. I will speak to Parce you. Parce que je veux qu'on soit béni. I want Moi, je ne crois pas à un évangile où, dit, où Dieu... Dieu, on ne sait pas si Dieu veut bénir. C'est-à-dire qu'on est dans les choses où on raisonne en Dieu avec l'intelligence humaine. I Dieu est surnaturel. God is supernatural. Dieu honore et il marche selon le protocole divin. God honors and work according contenu to divine dans le protocol. Testament qui nous a donné la parole de Dieu. Contained in the testament that is the Bible. Moi, je ne prêche pas la réflexion de quelqu'un. I do not preach someone reflection. C'est que dit la parole de Dieu. What says the word of God? Que dit la parole? What does the word say? Écoute-moi bien. Listen to me well. Lorsque une personne when a person s'unit à une prostituée, is united to a prostitute, son esprit fait un avec la prostituée. Spirit makes one with that person. Par l'acte sexuel, through the sexual intercourse, nous sommes en communion avec l'esprit de la personne avec qui nous avons eu les rapports.
We are in communion with the spirit of the person whom we have sex with. C'est pourquoi à vrai dire, that is why in truth, jusqu'à ce que le sacrement du mariage arrive, so the sacrament of marriage comes, la première personne avec qui tu as couché sur cette terre, person whom you slept with on this c'est lui qui est ton mari. He is the person who is your husband. Commence à voyager dans ton esprit avec qui tu es bâti. C'est pourquoi Dieu dit reste comme ça jusqu'à ce que ton mari là, that's why God says, ta like femme la soit avec, c'est la personne avec qui. On est pressé, on a we des maris rushed, avant même le mari que Dieu nous donne. Before the husband that God gives to us. Sur cette base, dans la révélation du combat, on that basis on the revelation, on comprend of pourquoi perfect, beaucoup de femmes souvent n'arrivent pas à se marier. We understand why many women cannot get married. Parce que leur mari là, si c'est mystique, because if their husband is a mystic, son esprit peut opérer comme un conjoint spirituel à la recherche de son épouse. His spirit can operate like a spiritual partner seeking for his husband. Jusqu'à ce que tu viennes faire la quarantaine, so you come and make the retreat, et qu'on par la puissance de Dieu, and that God, la fondation by God's power, de ta vie soit restaurée. The foundation of your life be restored. Sinon tu comprends pas, tu aimes un homme aujourd'hui. Otherwise, you don't understand why you love one. Et bien après today, tu trouves qu'il est vilain, son teint n'est pas propre. And tomorrow you find that he is not handsome. Il y a des arguments bizarres comme ça qui viennent puis tu l'aimes plus. There are certain reasons coming and you no more love him. Parce que le lien a le pouvoir d'affecter nos sens. Because the bond has the power to affect our senses. Il y a des gens dès qu'ils sont mariés. There are people as soon as they are married. Après la nuit des noces. After the night of the celebration of marriage. Le désir intime avec leur conjoint s'en va. The private desire with their partners vanishes. Elle-même ne comprend pas. That person does not. Quand la nuit, il la touche comme ça. When he touches her, elle prend pas, elle fait comme ça. She turns. Oh, c'est à cause de ça que tu as embêté tout le monde pour faire mariage. But maintenant, le moment est arrivé, il faut faire. Tu prends pain, tu couvres ta tête. On t'a dit, c'est comme ça. On a cotisé, nous tous. On est allé à la mairie, on a chanté. Il faut passer maintenant. On ne prend pas pain pour couvrir sa tête. Je ne parle pas de toi, je parle de ta voisine. Alléluia! Le premier péché, so the first sin, c'est tout ce qui est lié au sexe. Is everything that is tied to sex. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi quelqu'un qui veut marcher par l'Esprit de Dieu, that's why whoever wants to être en communion avec Dieu, be in communion with God, ne doit avoir des relations intimes avec son épouse. Must have sexual intercourse only with his partner. Dis amen, oh. Amen. Ton amen n'est pas très fort. La Bible dit si notre évangile est voilé, the Bible says, if il est voilé pour ceux qui périssent. It is veiled for those pour ceux que le prince de ce monde a voilé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de ce que je suis en train de dire. Il ne faut pas m'insulter. C'est ton bonheur, je suis en train de dire. Peut-être tu n'avais pas la révélation. Maybe you did not je t'annonce. I announce to you. Comment tu vas accélérer ta destinée? How you accelerate your quand j'ai compris ces choses, when I understood the things, il y a des luttes que je ne fais plus. There are struggles that no more I do. Quand je vois un démon dans mon rêve, c'est moi qui... Le f... aïe, aïe, aïe. Mais avant là, je courais comme time, ça. Quand je me réveille comme ça, et puis je suis au sommeil. L'onction n'aime pas ça. Anointing does not love it. Quand nous parlons du péché lié au sexe, when we talk of sin that is tied to sex, l'un des péchés les plus abominables que les êtres humains commettent. One of the most abominable sins that human being commits. C'est l'adultère. It is adultery. Dis papa, c'est vrai. On a du mal. Dieu même a des problèmes pour élever des gens.
God feels bad to lift up people. Dès que quelqu'un a réussi ici dans ce pays, as soon as someone has succeeded in this country, c'est comme si on vient de signer un chèque à blanc pour l'adultère. As if they've signed a blank check for adultery. Je ne comprends pas pourquoi on ne m'aime pas. Tu ne peux pas dire des choses comme ça pour que les gens t'aiment. Mais j'aime ça. Plus on ne m'aime pas, plus mon onction gourmande. Mais je vais te dire la vérité. I will tell you the truth. La communion exige une vie disciplinée. Communion requires a life of discipline. Qui consiste à se garder pur. Consisting to keep ourselves pure. Une jeune fille qui n'est pas mariée. Only one lady who is not married. Elle doit se garder et se conserver pure pour l'homme de sa vie. She has to be pure for the man of her life. C'est une bonne nouvelle. It is a good news. Why? Parce que quand tu vas garder dans cette position, tu gardes ta communion avec Dieu. Because in that position, you keep your communion with God. Parce que la chose la plus importante pour la vie d'une personne, the most important things for the life of a person, c'est le niveau de son intimité avec Dieu. It is the level of his privacy with God. Qui crée le flux. That creates the flow. Un flux. A flow. Qui vient depuis les cieux. That comes from heaven. Et qui se déverse sur notre vie. And that is poured out on our lives. Après ça. After that. Le deuxième péché. The second sin. Regarde-moi bien. Look at c'est tous les péchés qui sont liés à la bouche là. It's all la sins bouche. That are tied to the mouth. Pourquoi? Why? Parce que la bouche de l'homme. Because the mouth of man, c'est avec ça que l'homme exprime l'autorité. Is used to Dieu a créé le monde en utilisant la bouche. Created the world by using the mouth. C'est avec la bouche, selon Paul, Romains chapitre 3, Romans 3, la Bible dit, Romains chapitre 4, verset 13, Romans 4, verse 13, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il appelle, il parle pour que quelque chose arrive. So that something comes, il faut utiliser la bouche. You have to use your mouth. Et l'Apocalypse au chapitre 4, verset 13, and Revelation 3, verse 15, il dit, la parole says, est le principe de la création. The word is a principle of creation. C'est-à-dire pour qu'il y ait création, it means for, il faut user de la parole. Creation to c'est pourquoi la Bible dit, garde ta bouche pure. That's what the Bible says. Beaucoup de personnes affaiblissent le pouvoir, l'autorité, l'onction de Dieu sur leur vie parce qu'ils manipulent mal cette âme puissante qui est la parole. Because they misuse that powerful weapon that is the word. C'est pourquoi. That's why. Si tu veux grandir dans ton intimité avec Dieu, if you want to grow in your intimacy il faut with éviter God, de critiquer. Avoid criticizing. Il faut éviter de jacasser. Avoid being talkative. Il faut éviter de salir avec la bouche, mentir. Avoid lying. Il faut éviter d'utiliser la bouche. Avoid using your mouth pour tromper. To deceive. Autrement dit, in other words, garde ta bouche abrite. Keep your life at the shelter. Ainsi dit Jacques. So James says, la vraie religion devant Dieu. The genuine religion, la religion qui est agréable à Dieu. The religion that is pleasant to c'est God, celui qui manifeste l'amour. Is the one who manifests love, mais également. Also, qui tient sa bouche et sa langue à bride. Who takes his mouth and his tongue at the shelter. Critiquer. Criticize. Jacasser. Being talkative. Ce que tu n'as pas vu, tu dis. What you haven't saw, what you haven't seen, you said it. Mentir. Lying. Insulter. Insult. Escroquer avec la bouche. To il y a des gens, ils mentent. Quand ils les écoutent, ils mentent comme ça. Les yeux là ne palpitent même pas. You lie. Quand tu veux attraper un voleur, il faut regarder ses yeux. Quand il a été menti, là, ses yeux, il fait comme papa, papa, papa. Mais les yeux, maintenant, il a les yeux comme ça. Il ment vis-à-vis comme ça, puis tu regardes, puis il ment avec assurance. There are people that lie with assurance. Ces deux choses. These two things.
Il faut au plan spirituel se garder de les pratiquer. Spiritually, we have not to practice them. Si vous voulez garder, rentrer dans une puissance de Dieu, if you want to get into a power of God, il faut se garder. You have to be at the shelter la bouche of using à our mauvais mouth escient. To misuse our mouth. L'onction, the anointing, la plus importante pour notre marche avec Dieu, the most important for our walking with God, la plus importante pour notre marche avec Dieu, the most important for our walking with God, c'est l'onction intérieure, is the inner anointing. C'est l'onction intérieure, it is the inner anointing. C'est elle qui t'a fermé. It is the one that strengthens you. C'est elle qui te permet de résister aux assauts et aux attaques extérieures. It is the one helping you to resist to assaults coming from outside. Quand Dieu a donné l'esprit aux hommes, when God gave the anointing to men, ce n'est pas forcément, c'est pas d'abord pour qu'il y ait le revêtement de la puissance. It is not first for him to have the dressing of power. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, that's why in the Old Testament, l'onction que recevaient les prophètes, the anointing that the prophets were receiving, était plus une onction en vue du revêtement de la puissance. Was more an anointing for the dressing up non of power, pas une onction intérieure. Not an inner. C'est pourquoi vous pouvez constater que Moïse qui a parlé, la mer rouge s'est fendue, that Moses that speak and the Red Sea separated, s'est retrouvé à briser les tablettes de pierre. He start breaking tables of laws. Pour reconnaître que quelqu'un est spirituellement assis. To recognize that someone is spiritually, pour reconnaître raised, que quelqu'un est un leader. To recognize that someone is a leader. Pour reconnaître qu'une personne to recognize marche a person, avec Dieu. Walk with God. Je vous en supplie. I beg you, ne regardez jamais ce qui a l'apparence. Never look at the appearance. Jésus dit, Jesus says, on reconnaît l'arbre par ses fruits. Pourquoi il le dit? The tree by his fruit. Why? Parce qu'un fruit, a fruit, pour qu'il apparaisse, for it to appear, c'est parce que la sève vient de la racine. It's because the sap comes from the root. Un homme de Dieu, a man of God, c'est celui is the one qui a une qualité de vie. Who has a quality of life. Pas une personne qui fait des miracles. Not someone who operates miracles. Non. No. Parce que le miracle n'est pas la preuve. Because the miracle is not the evidence. Que une personne est agréable à Dieu. That someone is. Sinon Jésus ne dirait pas. Otherwise Jesus wouldn't have said. Matthieu chapitre 7 verset 21. Matthew 7 verse 21. Il dit ceci. He says this. Beaucoup diront à mon nom. In my name many will say. Seigneur. Lord. J'ai prophétisé. I have prophesied. J'ai guéri. I have healed. J'ai fait marcher les paralytiques. I've let the lame walk. J'ai fait voir les aveugles. I let the blind see. Et Jésus dit, and Jesus says, éloignez-vous de moi. Go far away from vous me. Qui commettez l'iniquité. You will commit iniquities. Vous qui commettez le péché. You will commit sins. Je ne vais pas dire par là. I don't mean que les miracles et les signes n'ont pas d'importance. That miracles and signs have no mais la pédagogie de Dieu consiste à construire d'abord une personne. Parce que le salut ne dépend pas des signes que tu as accomplis. Does not depend on the signs mais that ça you dépend have but it depends de ta position en Christ. Of your position or, ta in Christ. Position en Christ, but your position ça ne in se Christ, décrète pas. It is not decreed. Ça ne se vantardise pas. You don't boast about mais la it. Qualité et le fruit de l'esprit témoignent que véritablement tu es un bon arbre. But the quality of un the homme fruit qui est né de nouveau, qui a le Saint-Esprit, ne critiquera jamais, will never criticize, n'insultera jamais, will never insult, ne mentira jamais, will never lie, ne volera jamais, will never ne médira jamais. Will never slander. Pourquoi? Why? Parce que l'esprit en chacun de nous because the spirit doit rendre témoignage de la qualité de notre vie. C'est pourquoi that's the reason why il faut rechercher d'abord l'onction intérieure. You have to seek first the inner anointing. Parce que
L'onction extérieure, le revêtement de la puissance en vue des exploits en Dieu peut te maintenir dans une position. L'onction extérieure élève. The outward anointing lifts amène up, la célébration. Lead celebration. Amène les acclamations. Brings clappings. Amène les gens à témoigner de toi. Brings people to testify of l'onction you. Rend populaire. L'onction extérieure rend fame. Populaire. The outward anointing makes fame, brings fame. Mais l'onction intérieure ne rend pas populaire. Does not make you fame. Mais. But. Elle amène Dieu à témoigner de toi. It brings God to entre le témoignage de Dieu et le témoignage des hommes, tu veux quoi? Moi, je veux les deux. I want the two. Oui, oui. Moi, je veux les deux. I want mais the d'abord, two. Le témoignage de Dieu. But first, the mais le témoignage des hommes aussi, c'est bon. Pourquoi? The testimony of men pour savoir que vous avez l'onction extérieure, to know that you have the outward anointing, c'est le peuple. It is the people. Comment Salomon a reconnu que la royauté lui a été donnée. How Solomon recognized that royalty was given to la Bible dit quand il est arrivé à Gabaon et que les gens ont appris que Salomon était à Gabaon au lieu tout le peuple s'est dirigé à Gabaon et ont commencé à dire Salomon est roi. Salomon alors que son frère avait fait un coup d'état Adonijah avait voulu faire coup d'état pour prendre la royauté de Salomon. To take the royalty of Solomon. Mais le peuple but the people a donné la royauté à Salomon. Gave the royalty. Je vais dire à quelqu'un, I want to tell ton Salomon, positionnement comme un leader dans une nation ne dépend pas seulement de la légalité, mais ça dépend de la légitimité. Ah. Hey, vous savez, you know, on peut parler à un serviteur de Dieu we can speak to a servant of God, qui a 10 membres. Have 10 qui a une assemblée de 100 membres. Mais quand tu veux parler speak, un homme de Dieu to a man of God, qui a 1000, 2000 à 5000 avant de parler, on tient un conseil pour voir comment parler pour, je vais te dire l'onction est bon. Alléluia. Ce soir, je voudrais t'inviter I would like to invite you this evening à faire asseoir ta vie sur l'onction intérieure. To let your life sit on inner anointing. Cette onction, that anointing, elle vient au jour de ton baptême. It comes at the day of your baptism. Cette onction, that anointing, elle ne s'obtient pas par le jeûne et la prière. Is not obtained by fasting and praying. Cette onction, that anointing, elle t'est communiquée is communicated par ton acceptation de Jésus comme ton sauveur, comme ton Seigneur. Jesus like your Lord and Savior. Le Saint-Esprit, the Holy Spirit, en vue de notre rédemption, dit l'apôtre Paul, for our redemption, says Apostle Paul, il nous marque du sceau. He mark us with the seal. Donc Saint Augustin dit, that Saint Augustine says, les dons sanctifiants, the sanctifying gift, pour opérer une œuvre de transformation au niveau de ta personne intérieure. To operate a work of transformation in your inner. Et il prend tout le temps de le faire jusqu'à ce que tu retournes à Dieu. And c'est pourquoi on parle de la sanctification dans l'ordre progressif. That's why we talk of sanctification in the progressive order. Et les éléments sont nombreux que Dieu utilise. That God uses, il y a la parole de Dieu pour te monder. There is the word of God to work on you. Il y a les sacrements. There are sacraments. C'est pourquoi quelqu'un qui veut croire dans une onction intérieure, whoever wants to grow in an inner anointing, faut pas rater la messe. Do not miss the mass. Si tu es un catholique, if you are a Catholic, faut pas rater les messes. Do not miss the mass. Parce que c'est la source. It is the source. Où tu embellis ton âme. Where you beautify your soul. Par les vitamines. By aïe, vitamins. Aïe, aïe. Un enfant qui naît, on lui donne vitamines. A child who is born receives vitamins. Ah, les vitamines de Dieu sont contenues dans le sacrement de la communion. But aïe, God's vitamins are contained in the sacrament of communion. Notre problème en tant que chrétien catholique, our problem as Catholic Christian, c'est que les choses qu'on nous donne à l'église, c'est moins, c'est cadeau. C'est pourquoi on ne prend pas. Je suis convaincu. Si on nous disait que les messes, on payait pour aller faire la messe. If we were told that we si on nous disait, pour se confesser, to confess, il
Il faut payer. You have to pay. Je suis convaincu. I am convinced. Que personne n'allait rater la messe. That no one would have missed the mass. Parce que tout ce qui est gratuit semble ne pas avoir de l'importance. Because everything that is free seems to have importance. Dieu God te fait croître de l'intérieur par une onction qu'on appelle l'onction intérieure. Make you grow from inside by what we call an inward anointing. Cette onction t'affermit. That anointing strengthens you. Elle te donne de résister aux assauts extérieurs. It gives you to resist to outward assaults. Le monde, the world, le puissant des ténèbres, the powers of darkness, même tes ennemis qui semblent dire qu'ils t'aiment. Even your enemies that seem to say that they love you. Tu arrives à résister aux blessures intérieures qu'ils t'infligent par des paroles de médisance. You les gens sont mauvais. By the word of slanders. Si tu n'as pas l'onction intérieure, tu apprends à marcher pour couper tête des gens parce que les gens sont. Tu vas leur faire du bien. You will do good people. Tu vas leur faire du bien. You mais il faut oublier le bien que tu leur as fait. Il faut salir ton nom. Les gens sont mauvais. Mais ta réaction sera fonction de ce qui est à l'intérieur de toi. Quand tu as l'onction, tu ne réagis pas comme un païen. Tu dis c'est normal. Dans la vie, Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui nous a créé nous tous là, est-ce que c'est tout le monde qui l'aime? No one is not everybody who loves alors, him. Toi, tu es qui et puis tout le monde va t'aimer. So who are you for everybody to love you? Quand j'ai appris cette vérité, when I have learned that truth, j'ai dit c'est de l'orgueil même de réagir qu'on parle de toi. I say it is. Regarde combien de personnes qui insultent Dieu. Look at how many people who insult God. Regardez combien de personnes. Look at how many people. Mais nous. But as for us, si on a dit un peu quelque chose sur nous. If something has been said about on us, on est fâché. We are angry. Alors, pour ne pas être fâché, ne pas être aux endroits où on parle mal de toi. Do not be in places deux, il ne faut pas aller des endroits où tu vas entendre qu'on parle mal de toi. Do not be in places. Moi, quand j'ai compris que on m'insulte souvent sur Facebook, chaque fois que je vois quelqu'un qui m'insulte sur Facebook, je me désactive, il n'est plus mon ami. Afin que le diable. Parce que c'est même pas lui, c'est le diable quand il veut te casser ta vie spirituelle. Il va passer par quelqu'un que tu estimes, tu apprécies. Il va te lancer une parole. La nuit comme ça, puis le diable vient. Tu as vu? Il t'a incité. Il t'a incité. Il a gâté. Et puis toi, tu es là maintenant, ton cœur, là, ça fait. Tu tournes. Comme dit notre berger, il dit, ton sang monte, ça tourne 160 degrés. Tu dis, mais qu'est-ce que je peux dire? Et puis tu. Et puis la voix de l'esprit en toi te dit. And the voice of the spirit tells you. Écoute. Listen. Comme une brebis. Like a sheep. Sans tache. Without a spot. Ni ride. No wrinkles. Qu'on conduisait à l'abattoir. That was leading to the slaughtering place. Il n'ouvra point la bouche. He opened no his mouth. J'ai dit cette parole là. I said that word. Tu peux pas lire ça et puis réagir. You cannot read it and react. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Recherchons d'abord l'onction intérieure. Let us seek first for the inner anointing. Le milieu dans lequel nous sommes. The environment in which we are est fait tellement d'adversité. Is made of adversity. Que nous avons besoin d'avoir une consistance intérieure. That we need to have an inner consistency. Et cette consistance intérieure nous est donnée par l'Église. And that inner consistency is given to us by the church. Nous avons à notre disposition les sacrements. We have at our disposal the sacraments. Je vous en supplie. I beg you. Les sacrements sont des cadeau que Dieu sacraments a gifts that fait God à l'Église. Made to the church. En tant que chrétien, as a Christian, nous devons pouvoir chaque jour every day we must be able aller à la messe pour communier. To go to the mass to même take si the nous communion. Ne communions pas physiquement, even if we don't take the communion nous devons physically, communier en esprit. We have to take it in spirit. L'Église the church est le lieu de la présence parce qu'il y a un cœur. Et le cœur, nous voyons le Saint-Sacrement, l'autel. Le lieu de la présence. Normalement, au plan spirituel, quand vous rentrez dans une église, du cœur de l'église, sort une grande lumière, ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Mais avec nos yeux de chair, on ne voit pas. C'est un peu comme quelqu'un qui s'expose à des radiations. À des radiations. Mais cette radiation n'agit pas sur notre corps physique, mais agit d'abord sur notre âme. Et ressort pour influencer notre corps physique. C'est en cela que nous devons profiter au maximum
profit de cette bénédiction of that blessing Dieu a donné à notre monde. That God gave to our world, les sacrements. The sacraments. Il faut te confesser. You have to go to the confession. Il faut te confesser. You have to go to the confession. Il faut aller à la messe tous les jours si cela est possible. If it is possible, go always to the mass. Il faut garder la communion avec Dieu. Keep communion with God. Par ces éléments que Dieu nous donne. Through this element that God gives to us. Tu vas voir. You will see. Oh, des vitamines. Like vitamins, tu vas commencer à croître. You will start growing. Avec les yeux de chair, tu ne te rendras pas compte. With your fleshy eyes, you will tu not ne te notice. Rendras pas compte. You will not notice. Mais avec le temps, but with time, des choses vont commencer à changer. Things will start changing. Moi, avant, in the past, on ne chute pas haut. Vous savez, nous les abeilles, you know, on nous connaît tribe, dans faire des palabres. Allez-y demander à Robino, paix à son âme. Go and ask Robino. On nous connaît pour ça. C'est pourquoi quand une jeune fille when a young n'est pas abbé. Elle veut marier un abbé. On demande il est abbé. On demande d'abord s'il est abbé. Quand c'est abbé, ses parents réfléchissent d'abord. C'est pourquoi nous les abbés on se marie entre nous. Mais j'ai brisé cela. But je suis allé prendre Baoulé. Alléluia! 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 Que la grâce de Dieu. Let the grace of God. En vous donnant cet exercice cette semaine. By giving you that exercise this week. C'est de rentrer dans une communion avec Dieu. It's to get into a communion with God. Par les éléments que j'ai mis à votre disposition dans cet enseignement. By the elements at your disposal through this pour favoriser votre communion avec Dieu. To favor your communion with God. Afin que l'onction intérieure croisse davantage. Inner anointing more. De sorte que quand vous allez marcher, in such a way, when you will walk, vous transpiriez la présence de Dieu. You sweat the presence of God. Et que vous dites comme Paul a dit, and that you say like Paul says, ce n'est plus moi qui vis. It is no more I who is living, mais but c'est le Christ, it is Christ qui vit en moi. Who lives in me. Que Dieu vous bénisse. May God bless you. Ta main mal ou bien? Si ce message vous a fait du bien et que vous désirez avoir d'autres enseignements du frère Mathias Marieso, vous pouvez nous contacter au 22 44 92 92 au 01 10 92 92 ou visiter notre site internet www.mathiasmarie.org pour les achats en ligne. Que Dieu vous bénisse.